Bonjour à tous, bienvenue sur Guitare classique de concert. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un instrument nouveau pour nous, qui est une guitare de Toby Repska. Toby Repska est un luthier qui vient des États-Unis. Il habite à Portland dans le Maine. Ce jeune luthier a fait toutes ses classes chez Stephan Connors. Et Stephan Connors est l'un des luthiers américains les plus cotés, les plus connus. De nombreux guitaristes de concert jouent sur ces instruments. Toby a longuement travaillé dans son atelier et depuis quelque temps, il fabrique ses propres guitares qui sont largement inspirées des modèles de Stephan Connors. Alors nous avons ici une guitare de concert donc avec une table en cèdre. La particularité des guitares de Toby Repska, c'est de faire un barrage en lattice, mais qui est un barrage plus large, sans carbone, tout en bois, comme les guitares de Connors d'ailleurs. Ces tables, à l'inverse des guitares australiennes, sont beaucoup plus épaisses. On va dire qu'une guitare une table d'une guitare traditionnelle fait entre 2 mm et 2 mm 2. Là, on est quand même un peu plus fin, on est dans un intermédiaire, on est à entre 1 mm 7 et 1 mm 5 au plus fin. Chez les Australiens, Smallman c'est 0,6. Kim Lizarak, je pense qu'on est à peu près à 1 mm 0,91, peut-être 1,2. Jim Redgett c'est un tout petit peu plus. Et donc là on est encore dans une autre dimension, d'une table plus épaisse. Magnifique chevalet en palissandre qui est huilé. Double perce avec un design original de cordes qui se regardent en miroir en fait. Très très belle rosace. Les côtés et le dos sont en bois mexicain, un palissandre mexicain qui s'appelle le Camatillo. Camatillo, un bois un peu rouge. C'est un peu différent du Cocobolo qui est lui aussi un palissandre mexicain. On s'en rapproche, mais un tout petit peu plus de teinte, un tout petit peu moins rouge peut-être. Très beau. La guitare passe quand même un petit peu. C'est du massif. Très beau manche huilé. Hein. La tête est assez courte avec des mécaniques Goto. Le manche est assez rond, un peu entre les deux. C'est entre le plat et rond. Assez épaulé mais fin. Un peu comme sur certaines Friedrich, mais beaucoup plus facile à jouer. Ici, c'est légèrement travaillé pour que le pouce vienne rentrer un petit peu dans le bois ici, pour pouvoir accéder aux dernières cases. C'est superbement fait. Alors, on a aussi sur les éclisses un sans-porte. Alors, soit on ferme, qui donne... Le son d'une guitare traditionnelle habituelle, d'accord. Et pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de retour et entendre ce qu'il se passe réellement en face d'eux, il y a la possibilité d'ouvrir
Personnellement, je trouve ça super ingénieux. Moi, je préfère. J'aime beaucoup. La sensation, on a l'impression qu'on est devant sa guitare. Certains ne vont pas aimer. Et pour cela, il y aura juste à refermer le couvercle. On va écouter les caractéristiques sonores de cet instrument. Donc, je vais commencer par la sixième corde. Alors, évidemment, on est dans une configuration d'un instrument de concert assez sonore et avec un son assez puissant mais qui reste toujours très boisé et très naturel. Incroyable. Cinquième corde. Et là, pareil, on a le même sentiment d'avoir une corde qui a de la profondeur, et un peu en trois dimensions avec la clarté, profondeur, l'attaque. Qui réagit vraiment bien au vibrato. Qui soit, si on fait un vibrato rapide ou on appelle resserré, et si on fait un vibrato par contre très lent avec des vagues assez espacées, mais on ressent tout quoi. C'est incroyable. Troisième corde. Assez rond mais bien défini, qui se projette bien. Très équilibré. On sent là l'avantage du lattice quand même sur ce genre d'instrument. Toutes les notes sont vraiment équilibrées, la même couleur. Pour changer de couleur, c'est à vous de. J'ai vraiment sublime. J'ai oublié de mentionner que le manche a un léger radius. Un radius, c'est une légère courbure, alors assez peu importante au départ, quasiment plate. Et plus on avance, et plus le manche est incurvé. Ce qui permet, un peu comme sur les guitares acoustiques ou les guitares électriques, ce qui permet d'avoir un confort ici au niveau des barrés. On a l'impression de faire un barré sans faire un barré. On ne force absolument pas. Très agréable. Peut-être la culture américaine qui fait que ils n'ont pas peur de prendre dans ce qu'il y a de bien dans les guitares modernes aussi, autres que classiques. Deuxième corde, assez similaire à la corde de sol. Sont là, toutes les notes sont à peu près de la même durée. Vraiment
équilibre. Presque parfait. Première corde, enfin jusque là c'est parfait. Première corde. Très assez clair, mais avec un petit peu de densité, d'épaisseur et de rondeur. C'est une première corde qui est assez dynamique. Elle peut avoir l'éclat d'une cloche avec un coup de marteau, mais elle peut avoir aussi la petite, cette petite résonance super belle. Les harmoniques qui viennent prendre le relais, c'est magnifique, je trouve. Jusqu'au dos. Vraiment épatant. Ensuite, on peut essayer de voir sur les accords. Voilà, des gros accords bien charpentés. Petite mélodie dans les basses. L'objectif de Toby, c'était d'offrir une guitare avec une couleur naturelle, avec une palette sonore assez large. Et on a là une guitare, je trouve, assez lumineuse, éclatante, avec beaucoup de charme, un son qui a aussi de la profondeur. Et pour ceux qui cherchent un instrument de concert assez sonore, mais qui possède une sonorité plus neutre et plus boisée, différentes des guitares australiennes, je pense que c'est un excellent choix. Encore une fois, tellement facile à jouer, on a du mal à la reposer. À très bientôt.